C'était le salon le plus nul auquel j'ai participé de toute ma vie. De tous les salons que j'ai fait, le FITEX à Paris, c'était n'importe quoi. Mais bon, je vais t'expliquer ça. Je vais pas que descendre le salon. Je vais dire de mon avis objectif ce que j'ai pensé, ce que j'ai vu. Et aussi, pour ma part, ce qui peut être amélioré. Et je vais te parler du salon. Bah sinon, what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien, ok? N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est important, et aussi de t'abonner à la chaîne secondaire Dame Jordan Training. Dans tous les cas, je vais mettre ça en description et en commentaire épinglé, c'est important, parce qu'il y a plein de projets qui arrivent. Aujourd'hui, nous allons parler du salon, du FITEX à Paris, d'accord? Parce que je suis allé faire un tour. À la base, je devais aller les deux jours là, du week-end, parce que c'est ouvert vendredi, samedi, dimanche. Enfin, c'est ouvert vendredi, samedi, dimanche. Et je suis allé que samedi, d'accord? Même si je devais faire samedi, dimanche, je suis allé que samedi et ça m'a suffi, clairement. Pour ceux qui ne connaissent pas le salon du fitness, je vous invite à voir ma vidéo où je parle du salon du fitness, d'accord? Je te dis ce que c'est, à quoi ça sert et tout. Et ça peut être intéressant pour toi, afin de savoir mon point de vue et mon ressenti. Mais voilà, tu vois, le salon du body fitness, qui est le vrai salon, a été annulé, d'accord? Et de ce que j'ai compris, il ne va plus exister. Ça veut dire que là, ce qu'on a eu, c'est le remplacement du body fitness de ce qu'on a eu. Et franchement, pour moi, c'est une erreur. C'est une grosse erreur parce que c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Ils nous ont retiré quelque chose qui était bien pour nous créer un truc bis, d'accord, et c'est pas ce qu'on voulait, c'est clairement pas ce qu'on voulait. Déjà, je vais être rapide, je vais commencer par te dire tout ce qui n'allait pas et tout ce que j'ai pas aimé du tout malheureusement. Déjà, le salon, il est petit, d'accord, il est petit, après je peux pas leur en vouloir, parce que le parc des expositions de base où il y a le vrai salon du body fitness, et ben, je pense que les loyers sont chers. Du coup, ils ont déplacé ça vers Vincennes, dans un parc, mais c'était un petit parc, un petit entrepôt et tout. C'était très petit. Ce qui fait que le salon, il était divisé par 4 en termes de taille, tel qu'on l'a connu avant. Toujours avec deux espaces. Un espace nutrition influenceur et un autre espace exposant machine. D'accord? Et c'était nul. En fait, il y a tellement de trucs qui n'allaient pas que je ne sais même pas par quoi commencer. On va commencer par la localisation du salon qui était à Vincennes. C'était une galère. Une galère pour aller. Moi, je suis allé en transport. J'étais avec madame. On est parti en transport. C'était chiant. On allait en bus. C'était chiant. C'était long. Fallait prendre deux bus. Et peu importe de chez moi ou de chez elle ou n'importe où, fallait prendre deux bus. C'était chiant. C'était vraiment chiant. C'était embêtant d'aller au salon. Et même si tu viens en voiture, c'est chiant pour se garer. Il y avait des parkings payants et tout. C'était chaud. C'était n'importe quoi. Bon, après, c'est pas la faute du salon. Je peux pas les blâmer pour ça. Ils avaient besoin d'un endroit. Ils ont trouvé un endroit. Malheureusement, dur d'accès, mais je peux pas les blâmer pour ça. Deuxième des choses, les exposants. D'accord? Là aussi, c'est difficile de les blâmer pour ça. Le salon, il est petit. D'accord? Donc, il n'y avait pas d'exposants intéressants. Il n'y avait pas d'exposants intéressants. Il y avait Eric Favre, c'était bien. Il y avait d'autres marques, c'était bien. Mais c'était, en fait, il n'y avait pas l'ambiance salon du fitness, d'accord? C'était plus une ambiance exposition qu'une ambiance salon du fitness. Bon, en fait, le problème, c'est qu'il n'y avait aucune ambiance, il n'y avait aucune animation. Dans la partie influenceur nutrition, normalement, c'est les parties qui sont le plus ambiancées. C'est les parties où c'est la fête. C'est les parties où tu gagnes des lots. C'est les parties où tu peux tester des choses. C'est les parties où tu peux faire des petits concours, faire des petits trucs cool, avoir des vraies interactions. Mais là, il n'y avait rien. C'était plat. C'était tranquille. C'était pas intéressant du coup. Pas intéressant du tout. Vraiment pas. Il y avait juste une activité. Il fallait faire un maximum de tractions bizarres sur une machine qui n'est même pas stable. D'accord? Se dire que les gens, en fait, il y a des exposants, ils ont créé une machine bancale où tu dois tester pour peut-être la commander. Sachant que pour faire ton exercice, il faut qu'un mec, il tienne cette machine. Donc, c'était ça l'activité, tu vois. Et je me suis dit, putain, au premier salon que je suis allé, c'était incroyable. Mais quand je suis allé au salon à son prime,
Il y avait Prozis qui faisait des événements. Toutes les marques faisaient des événements. Citec qui faisait du maximum en curl. En fait, toutes les marques, ils avaient leur activité, tu vois. Là, on est une marque qu'on connaît même pas, qui fait une activité qui marche pas, tu vois. Donc, c'était triste. C'était triste. C'était nul, malheureusement. Sinon, tu avais notre activité, c'était un espèce de mini-cours collectif où il y avait une balle, fallait la faire rebondir. Mais tu as l'impression que les gens, ils s'amusaient pas. Tu as l'impression que les gens, ils étaient forcés à faire ça. Tu as l'impression que les gens, ils voulaient juste partir, en fait. Ils sont venus, ils se sont dit, ça sert à rien, et voilà. Et franchement, c'était pas intéressant. C'était pas intéressant. Franchement, en fait, pour un salon, c'était pas intéressant. J'ai l'impression que c'était plus un salon pour ceux qui aimaient les cours collectifs. Parce que là, eux, ils faisaient la fête. Eux, ils étaient tranquilles. Eux, ils étaient contents. Eux, ils étaient bien. Ceux qui faisaient les 1000, je sais pas si ça se dit. Ouais, c'est les 1000 ou les 1000, je sais pas comment on dit. Mais les gens qui faisaient ça, eux, ils étaient contents. Cours collectif, les coachs et tout. Eux, ils étaient fiers, tu vois. Mais nous, les gens qui aiment le salon du body fitness en général, eh ben nous, c'était mort. C'était mort. C'était nul pour nous, malheureusement. Maintenant, je vais te parler du deuxième espace, l'espace avec les machines, l'espace exposant. Normalement, cet espace-là, c'est le meilleur espace de salon dans le sens où c'est là où tu vois que les marques, les Technogym, les Hammer, les Panatta, toutes les marques de machines, ils exposent leurs machines et leurs nouvelles machines afin que tu puisses pardon, les essayer et que les propriétaires de salles de sport puissent faire des commandes de machines, tu vois? Là, c'était nul parce qu'il n'y avait pas beaucoup de marques et il y avait très peu de machines. Tu vois, ça veut dire qu'il y avait un exposant, il y avait deux ou trois machines. Il y avait juste Panatta, ils ont mis peut-être 10 machines. Mais dans les marques, il y avait deux ou trois machines. Et ben, c'était très bizarre. Tu vois, parce que je t'explique. Il y a un stand où il y a trois machines dessus et tu as six personnes de la marque qui travaillent. Qui sont assis et qui regardent bras croisés les machines, tu vois. Ils regardent que là. Et ça donne pas envie d'essayer parce qu'en fait, quand tu étais un mec normal pour essayer les machines, et ben, dans leur regard, tu voyais que fallait pas toucher, ça sert à rien, d'accord? En fait, c'était vraiment une partie juste pour les professionnels. Juste que pour un pro, il vient, il essaye et il achète. Mais quand il voyait que tu étais un touriste, il te regardait comme si fallait pas essayer la machine, tu vois. Et ça, c'est dommage parce que ça donnait pas envie. Et moi, c'est ce côté-là que j'aimais bien au salon, c'était tester des machines que je ne connais pas. Ça, j'aime bien faire ça. Et d'ailleurs, j'ai pu découvrir une seule machine que j'ai jamais vue et que j'aime bien d'ailleurs. C'est une machine Panatta avec une espèce de barre Z guidée. D'accord? Bon, sur le papier, c'est de la merde. Mais j'aime bien parce que c'est une barre Z, d'accord? Et ce qui est bien, c'est que voilà, j'ai testé un peu la machine, j'ai vu que c'était relativement pas mal, et c'est tout, ça s'arrête là. Ça veut dire que ça, c'est le seul truc qui était bien dans tout mon salon. Le seul truc. Malheureusement, enfin la seule machine que j'ai testée. Toutes les autres machines, bah, je n'osais même pas les toucher, où il n'y avait personne, où les gens ils étaient là, regardés avec du mépris, ils étaient énervés, ça donnait pas envie. Alors que de base, le vrai salon du body fitness, et bah, les machines, on t'incite à les essayer, on t'incite à tester, on te prend en photo parce que tu testes leur machine, eux vont mettre ça sur le site, tu vois. En fait, il y a plusieurs trucs. S'il y avait vraiment une ambiance de vas-y, teste, regarde cette machine, elle sert à ci, elle sert à ça, là, personne t'explique. Là, en gros, tu as les machines, on voit à l'œil que tu vas pas acheter de machine, que tu n'es pas un professionnel, on s'en tape. C'était vraiment un rendez-vous entre professionnels et c'est tout, d'accord? Les particuliers, ils viennent et on les laisse comme ça, limite, faut juste qu'ils regardent. Tu vois, ça, c'était pas bien, malheureusement. Mais ça, c'est pas la faute du salon du Fitex, c'est la faute des exposants. Malheureusement, les exposants étaient vraiment là que pour le business, mais ils n'étaient pas là pour animer, ils n'étaient pas là pour inciter les visiteurs à regarder, à faire les choses bien, parce que on sait jamais, un visiteur, il peut s'acquérir une machine. Si un visiteur a envie de claquer des sous dans une machine, eh ben, il peut le faire, mais non, eux, ils ne donnaient pas envie, malheureusement. Et franchement, je ne sais pas pourquoi j'ai pas commencé par ça, mais 15 euros l'entrée, pour ça, pour un petit salon, un petit truc. 15 euros l'entrée,
Ça les vaut pas. Ça les vaut pas du tout, clairement. Sachant que je venais avec madame, donc j'ai payé pour les deux, j'ai payé 30 balles ce salon. J'étais énervé. J'étais énervé. Le salon du body fitness à Paris, je l'ai jamais payé. D'accord? J'ai toujours été invité, j'ai toujours été là à être bien et tout. J'ai jamais payé un salon. Celui-là, je l'ai payé et je regrette de fou. Bon, je peux te faire une vidéo, je peux t'en parler, mais je regrette d'avoir payé ça. Et s'il y a encore un Fitex, soit il est amélioré, soit j'y vais pas. D'accord? Et 30 euros pour ça, c'est trop. J'ai un peu eu d'échantillon, j'ai rien eu. 30 euros. Et je suis resté une heure et demie. Sachant que de base, le vrai son du body fitness, j'ai resté toute la journée. Là, je suis resté une heure et demie tellement c'était nul. Je vais quand même t'énoncer quelques points positifs parce que je ne suis pas là pour descendre le salon gratuitement, d'accord? Mais malheureusement, c'est des points qui ne pourront pas rester comme ça, ok? C'est des points où pour avoir un vrai salon, eh ben, tu peux pas faire ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Les points positifs, c'est que là, on n'était pas dans un salon m'as-tu vu, d'accord? Ça veut dire qu'il n'y avait personne torse nu, il n'y avait aucune meuf en string, il n'y avait aucune personne comme ça. D'accord? Or que dans les salons du body fitness classique, t'as des gens, ils marchent torse nu, t'as des gens, ils sont là, ils retirent leur haut à chaque fois, t'as des meufs, elles sont en string, les meufs de marque, là, les meufs, les égéries de marque, elles sont en string, elles sont en tenue très très courte, elles sont là en mode aguicheuse, gros décolleté et tout, et t'avais pas de ça. Ça veut dire que là-bas, t'étais pas frustré. En tant que pratiquant de musculation ou en tant que non pratiquant de musculation, t'étais pas frustré. Au salon du body fitness, t'allais là-bas, tu rentrais chez toi, t'étais une merde. Clairement, tu regardais ton corps, t'étais pas content, t'étais pas fier de toi. Et t'avais honte. Se dire, même un mec comme moi qui fait du sport régulièrement, qui a un bon physique, enfin, je trouve que j'ai un bon physique, j'allais là-bas, je rentrais, j'étais déçu. J'étais obligé de me comparer. Parce que, voilà, tu vois des gens, ils sont torse nu. Tu vois, ils ont des abdos, ils sont saillants, ils sont chargés, mais ils sont bien, ils sont beaux, même pour les femmes. Tu vois, des femmes, elles sont là, elles sont refaites, ou elles sont chargées, ou alors elles ont un bon physique naturellement. Et ben, tu doutes, tu vois, t'es en plein doute, t'es énervé. Mais là, il n'y avait pas ça. Là, c'était tranquille. Là, c'était vraiment un salon où pratiquants, non pratiquants, tout le monde pouvait rentrer et repartir sans stress, d'accord? Il y a peut-être une personne ou deux chargées que tu vas voir là-bas. C'est normal, les personnes avec des beaux physiques. Mais il n'y avait pas de l'exhibition assumée là-bas. Et ça, c'était bien. Ça, c'était bien. Au Fitex Paris, il n'y avait aucune exhibition. Et ça, je kiffe, clairement. Il y a aussi un point positif qu'il faut énoncer, c'est que il n'y a pas eu de salon du body fitness, mais il y a eu le Fitex. Il y a eu un petit salon, un salon body fitness bis. Miniature, mais au moins il y a eu quelque chose, tu vois. Il y a eu cet effort-là. Moins de budget, mais cet effort de le faire. Et je peux que remercier le Fitex pour ça. Même si que si ça continue comme ça, j'irai plus jamais. Mais voilà, on a quand même eu quelque chose pour nous, pour les gens qui font un peu de sport. Et je trouve ça bien, je trouve ça cool. Mais il me semble que le Fitex, c'est des événements qui vont être un peu partout dans la France et pas un seul gros dans Paris. Donc, en vrai, ça peut être intéressant si ça marche. Peut-être qu'il peut avoir beaucoup plus de budget qui peuvent transformer le Fitex en Body Fitex, tu vois. On ne sait pas. On ne sait pas. C'était le premier. Le pressant du fitness, ben, c'était bien aussi. C'était pour tâter. Après, le deuxième, c'est un truc de fou, tu vois. Donc, on verra. Après, c'était que du négatif. Vraiment. C'était que du négatif. En fait, c'était des choses où je me dis non, c'est pas normal. C'est pas normal de faire ça. C'est pas normal d'accepter ça. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Non. En vrai, je suis dégoûté de te faire une vidéo comme ça parce que je pensais que j'allais kiffer au moins un minimum. Je me suis dit, bon, vas-y, j'ai parlé pour rien et tout. J'ai vu les exposants. Je savais que ça allait être nul. Mais en fait, je voulais me contredire. Au final, dès que j'ai payé l'entrée à 30 balles, à 2,
Et j'ai visité le salon, je me suis fait. Oh là 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 là. De base, je ne l'ai pas filmé. Hein. De base, je ne voulais faire aucune vidéo. Même dans les vidéos que j'ai fait, les plans au début, tu vois que je ne voulais même pas filmer. Tu vois. On était à deux à filmer et tout. Je ne voulais même pas filmer. Mais je me suis dit, vas-y, faut que tu fasses une vidéo. Faut que je t'en parle au moins. Faut que je te dise ce que je ressens parce que j'ai dit que j'allais le faire. Donc, je le fais. Et je suis déçu. Je suis vraiment, vraiment déçu. Mais bon, au moins, c'est fait. J'espère que le Fitex va s'améliorer, va s'agrandir et va contacter les grosses marques, les Prozis, les MyProtein, les Cytec Nutrition, tout ça. Même si que ces marques-là ont dit clairement qu'ils gagnaient pas assez d'argent avec les centres du Body Fitness, comme voilà, ils donnent des échantillons, ils sont là juste pour être là, ils font pas de profit derrière, et ben ils viennent pas. Mais j'espère vraiment que ces marques-là vont venir parce que c'est grâce à eux, c'est grâce à elles que les salons ils ont du monde. Et le salon a du succès, tu vois, parce qu'ils ramènent des influenceurs. Les influenceurs ramènent du monde. Et voilà, ça fait un truc de bien. Donc j'espère que le Fitex va se lever. Et sur Paris, va faire un grand événement. Parce que là, en Europe, il nous reste que le FIBO en Allemagne. Et je compte y aller. L'année prochaine, je compte aller au FIBO. Clairement. Je sais que normalement, je travaille en salle de sport. Si je peux pas poser de congé. J'irai quand même au FIBO. J'irai au FIBO. Et je pose une démission, je m'entends. J'irai au FIBO. D'accord? Même si tu sais que je vais m'arranger là-bas, concrètement. Mais j'irai au FIBO. Il faut que je te montre le FIBO. Il faut que je vive le FIBO. Il faut qu'une fois dans ma vie, j'aille au FIBO. Et le FIBO, j'en ai entendu parler à mon premier salon quand je n'étais pas encore balèze. Là, je suis bien. Il faut que j'aille au FIBO. C'est important. Je parle pas anglais, je parle pas allemand, mais il faut que j'aille au FIBO. Et j'irai au FIBO. Donc voilà l'équipe pour cette vidéo. J'espère que tu as pu kiffer quand même, même si que voilà, c'était c'était très négatif, malheureusement. Mais bon, c'est une bonne chose d'avoir récupéré le salon par Fitex. C'est une bonne chose, d'accord? J'encourage Fitex à continuer à faire des efforts pour le fitness français. Merci beaucoup à eux. C'était une première fois, c'était pour tâter le terrain. Je leur en veux pas. C'est le premier salon. Le deuxième, j'irai parce que je verrai. Je verrai s'ils ont compris ou pas. Et si là, c'est pareil, salut. Toujours laisser une deuxième chance. D'accord? C'est important. Donc, j'encourage le Fitex dans ses efforts à faire les choses bien, à rassembler la communauté fitness français. Et puis voilà, même s'il faut payer encore 30 balles, je paierai 30 balles, je m'en fous. Mais au moins, on va avancer d'un point de condition. Ok? Bon, si t'as aimé cette vidéo, mets un petit j'aime, mets un commentaire, c'est important. Abonne-toi à la chaîne, c'est important. Mais aussi à la chaîne Dame Jordan Training. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.